Bon, il est 17h25. J'ai fini de travailler. Je me suis préparée par la piscine. À midi, j'ai mangé deux tranches de pain mie avec deux tranches de jambon et du melon parce que j'ai fait mon montage. J'ai pas eu le temps de filmer. Et du coup, je voulais vous montrer mon maillot de bain. Donc, c'est exactement le même que le bleu de la dernière fois. Sauf qu'il est en violet. Voilà, je le trouve très très beau. En cette couleur-là, il est comme mon ancien Adidas, mais un peu plus joli. Donc du coup, celui que j'avais d'Adidas, il n'existe plus en violet sur leur site. J'ai pris celui-là que j'aime beaucoup, qui tient bien ce qu'il faut. Et donc voilà. Au niveau du dos, il est similaire à l'autre. Et donc le voilà en entier. Et j'apprécie ne plus avoir cette démarcation blond-brun. Au-dessus de la tête quand je fais un chignon, donc voilà. Bref, je vous laisse. Je vous retrouve tout à l'heure quand j'irai à la piscine. Je pars dans 20-25 minutes à peu près. Pendant ce temps-là, je vais finir de préparer mes affaires et après j'y vais. Et première apparition de mon petit chat de la semaine. Regardez-moi cette mignonnette, je suis trop contente de l'avoir retrouvée. Un mon bébé, oh oui. Ma fifi d'amour. T'es si belle, t'es si douce. Oh, c'est trop mignonne, t'es trop mignonne mon bébé. Bon, c'est parti pour l'aquagym, il est 18h02. Je me dépêchais, j'ai croisé une voisine, on a discuté. Donc je suis un petit peu, pas à la bourre, mais enfin, on n'avance non plus quoi. Donc je suis trop contente d'y aller. Ça fait plus d'une semaine du coup. Donc je me réjouis de faire mes 45 minutes de sport. Et j'adore quand le cours est à 18h15. Je préfère rentrer chez moi plus tôt, plus sympa. Bon, il est 23h46, je vais aller me coucher. J'ai lissé mes cheveux pour demain, même si concrètement demain soir, je retourne à la piscine pour l'aquacombat. Mais j'avais envie, je me suis motivée, donc je l'ai fait. J'ai un petit peu bronzé dans la Nièvre, on bronze bien dans la Nièvre. Et je vais aller au dodo, ce soir on a mangé des restes, du riz et des œufs au plat, voilà. Donc j'ai pas jugé bon de vous le montrer. Il faut qu'on fasse des courses. Et faudrait que je passe à la boucherie aussi à côté de chez moi. Donc voilà. En tout cas, j'ai passé mon vendredi. Ça c'est cool. Du coup, je travaille pas vendredi, lundi et mardi. Donc ça va me permettre d'avancer sur plein plein de choses. Ma formation, mon blog, YouTube. Je vais essayer de tourner des vidéos. Pourquoi j'ai le nez rouge? On dirait que j'ai picolé. Et donc voilà, c'est cool, je vais juste mettre à tourner, à sécher mes serviettes de piscine que j'ai mis à nettoyer. Et pendre mon maillot de bain. Et je vais au dodo parce que je suis fracasse et que demain je vais au travail. Voilà, donc je vous laisse. On se retrouve demain et je vous souhaite une bonne nuit. En tout cas, moi, elle va être très bonne parce que je suis explosée. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mardi 31 mai, demain on est déjà au mois de juin, c'est un truc de ouf. Il est 8h03, je vais aller au travail. Ce matin j'ai une réunion toute la matinée, donc ça sera ça. Et puis cet après-midi j'ai un webinaire à regarder à 14h. Et ensuite je vais travailler quand même. Et je rentrerai pas trop tard parce que après j'ai Aquacumba à 19h15 et que j'ai encore des petites choses à faire à la maison. Donc voilà, notamment ranger, plier le linge qui est propre, j'ai lavé tout ce qu'il y avait dans ma valise. Il faut que je range tout. Donc voilà, je me répète et je suis auto-centrée, on est d'accord. Mais je suis très contente de plus avoir ce blond au bout des cheveux. Je suis très contente de ce que m'a fait ma sœur. C'est pas noir, c'est pas blond, c'est entre les deux. Et j'aime beaucoup, voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour cette nouvelle journée. Qui dit travail, dit je vous laisse à la maison, forcément. Et j'ai vachement gercé en ce moment. Je sais pas pourquoi. Je passe ma vie à me mettre du stick à lèvres. Enfin bref, je vous laisse. On se retrouve ce soir. Je sais pas trop ce que je vais manger à midi. Vu qu'on ne peut pas commander ce qu'on commande d'habitude, étant donné qu'on ne sera pas au bureau, on fait une réunion dans un hôtel. Donc, je vais voir. Et voilà. Donc, je vous laisse. On se retrouve tout à l'heure, enfin, fin de journée. Et moi, je vais aller travailler. Bon, je vous retrouve pour aller à la piscine. Je sais pas trop si ça se voit, mais je suis KO. J'ai dormi 45 minutes. Mais je vais quand même à
l'aquacumba. Ça fait trop longtemps, j'avais trop envie d'y aller, donc j'y vais. Et aujourd'hui c'est maillot de bain bleu, hier c'était le violet, aujourd'hui c'est le bleu. Bon, pour ce soir je refais mon grand classique, riz et œuf au plat, voilà. Faut vraiment qu'on aille faire des courses là parce que ça va plus. Bon, il est... J'ai plus l'heure sur ma montre, elle est éteinte. Il est 23h45, je vais aller me coucher. J'essaie toujours de me coucher avant minuit maintenant parce que sinon c'est compliqué le lendemain. Il faut que je dorme. Même si j'ai fait une sieste tout à l'heure, je sens que je suis fatiguée, donc je vais y aller. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Bon, le mercredi, vous savez que j'ai toujours du mal à vlogger, mais bon. Dans 2 jours, c'est le week-end et ça, c'est trop cool. Donc je vous laisse et puis on se retrouve demain. Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes mercredi 1er juin, ça y est, le mois de juin. Il est 9h37, je vous fais un petit coucou pour démarrer cette journée du mercredi. Et histoire d'essayer de filmer un peu plus quand même le mercredi parce que je vous zappe très souvent. Mais c'est vrai que comme je vais à la piscine le midi, j'ai peu de temps pour faire des pauses. J'en fais quasiment pas du coup parce que je prends quand même une grande pause à midi. Là je vous fais juste un petit coucou. Ce matin on a pris nos places pour aller voir Patrick Fiori. Il passe à Strasbourg, il fait une tournée des églises. Alors franchement Patrick Fiori déjà de base c'est ouf. Alors dans une église ça doit être sensationnel. Alors Antoine en a rien. Rien à secouer, mais en fait il est trop gentil. À chaque fois que je veux aller quelque part, il m'accompagne. Donc voilà, au même titre que moi, je l'ai accompagné voir Batman ou des trucs comme ça, alors que c'est pas du tout mon délire. Mais écoutez, c'est trop cool. Le 17 juin, je vais voir. Je vais voir Patrick Fiori et ça va être une super soirée. Je pense que je vais être KO parce que le matin je vais à Mulhouse, l'après-midi je travaille. À 17h j'ai kiné, à 20h30 j'ai Patrick Fiori. Donc le 17 juin ça va être vraiment pas mal. Je vais de toute façon beaucoup bouger là ce mois-ci. Je vais à Dijon, je vais à Nancy, je vais à Mulhouse. Ça va être un mois assez intense, mais 1er juillet c'est les vacances. Donc ça c'est cool. Donc écoutez, je vais vous laisser, je voulais vous faire un petit coucou. À midi je vais à la piscine parce que j'ai vu que c'était Roxane, donc j'y vais. Ça me fera déjà 3 séances. Je voulais y aller dimanche mais c'est fermé, donc j'irai vendredi matin. Et j'aurai fait 4 séances cette semaine, donc ça c'est trop cool. Et donc voilà, et samedi je peux pas y aller parce que on emmène Luna pour le vaccin annuel chez le veto. Voilà tout, je vous laisse, je reprends le boulot et on se retrouve tout à l'heure. Bon, c'est parti pour la piscine. Aujourd'hui c'est un petit aquadynamique, oui, de 45 minutes avec Roxane. Donc ça va être un aquadynamique équivalent 1h30 parce qu'elle est vraiment cardio. Mais c'est pour ça qu'on l'aime et c'est pour ça qu'on y va. Voilà, donc c'est parti. J'arrive à la salle là et j'ai trop hâte. Bon, pour ce soir on prépare une petite salade, donc salade vert tomate surimi. Il y a un peu de riz, on va rajouter un petit peu de fromage et l'affaire est dans le saladier. Bon, je vais aller au dodo. J'ai mon écran qui fait que tomber. J'ai perdu la vis. Faut que je demande à Antoine de le réparer une nouvelle fois. Donc j'essaie de le tenir tant bien que mal. Je vous retrouve demain de toute façon. Ma dernière journée de boulot de la semaine. Ça c'est trop cool. Et la semaine prochaine je travaille mercredi, jeudi. Et vendredi on a une sortie on va dire avec mes collègues. Donc trop trop bien. Voilà, bref, je vous laisse. Mais le retour de bâton avec les mails et tout, ça va être un peu moins bien. Mais bon, à un moment donné il faut bien prendre des congés. Même si je vais beaucoup travailler sur ce que j'aimerais faire, genre le blog et tout, mais ça va me libérer du temps, donc ça c'est chouette. Je vous laisse, je vous retrouve demain et moi je vais me coucher. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi 2 juin, il est presque 10h. Je vous fais un petit coucou pour ouvrir cette petite journée. Mon appareil va mieux, Antoine a réussi un peu à me le réparer et c'est ses deux doigts qui me l'ont réparé. Et la vis elle est assez particulière, donc on va voir si on arrive à en trouver une. Apparemment elle est un peu chère, enfin un peu chère, 11€ la vis ça fait cher, mais c'est toujours moins cher qu'un nouvel appareil et j'ai pas envie de racheter un appareil alors que celui-ci fonctionne très bien. Donc voilà, ça ne sert à rien de renouveler du matériel qui fonctionne, hein. C'est aussi pour le porte-monnaie mais aussi surtout pour la planète, ça sert à rien du tout. Donc on va voir si on trouve la vis correspondante parce que là du coup je l'ai complètement perdue
Et comme bah, je me balade avec mon appareil, elle peut être partout. J'ai regardé dans mon sac de piscine parce que souvent quand je vlog dehors et que je mets mon appareil dans un sac, c'est dans mon sac de piscine juste après. Donc j'ai regardé mais ça y était pas. Enfin bref, pour le moment ça tient, voilà, Antoine a réussi à faire quelque chose donc c'est très bien. Et donc bah voilà, c'était juste pour vous dire bonjour. Dernier jour de boulot de la semaine, après je travaille pas vendredi, lundi, mardi. Je vais pouvoir me consacrer à tourner des vidéos, je vais pouvoir aller à la piscine demain matin. Je vais pouvoir faire ma quatrième séance demain matin parce que dimanche c'est fermé donc je pourrais pas y aller. Et lundi, c'est fermé aussi. Donc, et vendredi et samedi, bah, on a veto. C'est le vaccin annuel de Luna. Donc, je ne pourrai pas aller à la piscine samedi. Donc, voilà, je vais faire ma quatrième séance demain. Et je suis très contente parce que, en général, j'arrivais que à faire trois séances là ces derniers temps. Et je suis très contente d'avoir réussi à faire quatre. Enfin, pas encore, mais demain, à faire mes quatre de la semaine. Donc écoutez, je suis ravie. Donc je vous laisse. Là aujourd'hui c'est ma journée de rendez-vous. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai un à 10h30. Donc je reprends le travail. J'essaye d'avancer au maximum pour reprendre mercredi non plus sans être sous l'eau. Et donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ce midi, c'est re-salade. J'ai refait un peu de vinaigrette dans mon super shaker là. Et ce soir, on va faire des croque-monsieur salade encore. On fait des choses simples, rapides, ça nous va très bien. Et c'est très bon. J'ai eu mon rendez-vous avec Morianne là à midi et demi. Et puis bah, cet après-midi, dernier après-midi de boulot, avant 5 jours de vacances, mais de congé. Donc ça va être cool, je vais pouvoir avancer sur plein de choses. Donc là, on va manger. Bon, pour ce soir, c'est croque-monsieur préparé par Antoine, la vinaigrette et de la salade. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que je suis en grand week-end. Grand week-end. Et après, on va reprendre la série Qui a tué Sarah et qu'on a forcément renommée. Alors, c'est quoi? Kenenemeres? Qu'on a renommée Kenenemeres Kepuedar Matar le Sarah. Voilà. On regarde Qui a tué Sarah. C'est ça, Qui a tué Sarah en français? Bref, une série avec Sarah. Je pense que vous connaissez, elle est assez connue. Et voilà, on va manger. Bon, il est minuit 45, je vais aller me coucher. On a lavé les draps, refait le lit et tout aujourd'hui, donc voilà. Demain, j'allais dire je snap, mais pas du tout. Je fais des stories toute la journée sur le compte de mon agence. Donc voilà, vous pourrez me suivre là-bas, je vous avertis sur Instagram. Et donc voilà, et demain matin, c'est piscine. Et ça, c'est trop cool. Je sais pas encore si je vais au training ou à l'aquagym, on verra bien. En fonction de comment je me sentirai, je me mets pas de planning défini. Voilà, c'est quand même. On verra bien. Une chose est sûre, c'est que je dois tourner une vidéo et tourner une story en collaboration avec la marque de Gummies pour le 13 juin. Donc je vais faire ça demain. Et puis de toute façon, tout le week-end, ça va être un peu ça. Je vloggerai pas beaucoup dimanche. Je pense que j'arrêterai mon vlog samedi soir. Et comme ça, je pourrai avancer. Et surtout, en fait, je ne filme jamais ces moments-là parce que j'ai l'impression que c'est pas intéressant. C'est pour ça que je me dis que ça peut être sympa de le faire sur le compte de mon agence pour une fois, de partager ça. Moi, je vous retrouve demain et je vais aller au dodo. Hello à tous, nous sommes vendredi. J'ai pas l'habitude d'aller à la piscine le vendredi. Et encore moins le matin, il est 10h, je vais à l'aquagym. Je vais faire ma quatrième séance de la semaine, donc je suis ravie. Aujourd'hui, je fais aussi des stories sur le compte de mon agence. Mais je vous ai prévenu, donc pour ceux qui ont Insta, vous savez normalement. Et donc voilà, ça va être cool. Donc bah, c'est parti pour 45 minutes de folie. Bon, je suis rentrée de la piscine, je me suis maquillée mais je ne me suis pas encore coiffée. Là je vais manger, il est 13h10, j'ai fait une petite session de réponse au MP sur Instagram et plus tard je ferai YouTube parce que bah, je suis obligée de diviser mon temps, je peux pas tout faire. Et là je vais manger, rien de bien original, j'ai ressorti ma salade, il m'en reste encore je pense pour demain midi. Après, elle est terminée et je vais manger devant la vidéo.
La pauvre, je l'ai vraiment pas respectée. Voilà, la vidéo de Fanny Engels qui s'entraîne et mange comme Lucille Joseph, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Donc je suis très contente qu'elle ait fait cette vidéo. Bon, je m'installe, je vais tourner une vidéo, la vidéo enfin sur les préjugés sur lesquels vous avez questionné déjà un petit moment, et puis j'ai relancé le truc parce que j'avais perdu les questions, enfin bref. Je vais la tourner maintenant, elle sortira du coup la semaine prochaine, pour vous aussi, vu que ce vlog sort dimanche, et voilà, mais il fait pas beau aujourd'hui. Bon, je profite pour avancer, je dois filmer ma deuxième story qui sortira le 13 juin pour les compléments alimentaires, et en fait, comme je veux que la marque soit dans le bon sens, j'essaye de mettre ce miroir pour essayer de voir le téléphone. Mais c'est un peu galère et à chaque fois, je mets énormément de temps juste à m'installer. Bon, j'ai fini tout ce que j'ai à faire. Enfin, fini, non. J'interromps tout ce que j'ai à faire. Il est 16h22, je vais aller chez le kiné. J'ai rendez-vous à 17h, je vais prendre le tram. Ensuite, je rentre à la maison, je prends la voiture et je vais passer la soirée chez une copine. Donc voilà, et quand je rentre, je finirai, je reprendrai le montage. Comme ça, la vidéo pour la semaine prochaine sera prête. Demain, je m'occuperai de monter le vlog. Ensuite, une fois que le vlog sera terminé, je pourrai faire un peu de ma formation, un peu de mon blog. Et donc voilà. Mais je pense que j'ai bien fait de prendre ces 5 jours parce que je vais beaucoup, beaucoup bouger là ce mois-ci. Je vais à Dijon le 20-21 juin pour le boulot. Je pars à Mulhouse aussi une matinée pour mes dents le 17 juin. Et le 30 juin, je passe la journée à Nancy pour le boulot. Donc voilà, je vais quand même pas mal bouger. Et donc je pense que genre mardi, je vais vraiment me reposer. Je sais pas, je vais voir. Ou lundi parce qu'Antoine sera à la maison. Mardi, il bossera. Donc on va se reposer. Et je dis ça, mais en fait je sais pas me reposer. Je suis toujours en train de faire un truc. Bref, je vais y aller. On se retrouve plus tard. Je pense vraiment plus tard. Parce que vous savez très bien que je filme pas quand je suis avec mes amis. Et puis bah écoutez, à tout à l'heure. Bon, je suis rentrée il y a une heure à peu près, il est minuit et demi, là je vais aller me coucher, je suis fatiguée. J'ai repris un peu le montage, je finirai demain. Demain matin, c'est veto pour Luna, donc au dodo. Et je vous retrouve demain pour cette dernière journée de vlog. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi 4 juin. Dans 2 jours, je rechange mes gouttières, je suis trop contente. J'ai pas mis ma montre. 8h55, je suis prête à partir. Et Antoine se prépare aussi, on va y aller tous les deux. De toute façon, il va tout le temps tous les deux. Même si jusqu'ici, il y en a toujours un qui attendait dehors. Donc c'était moi, parce que faut maîtriser la bébête chez le veto. On va emmener cette demoiselle se faire son vaccin. Et voilà, on sera fait, on sera tranquille jusqu'à l'année prochaine. Ça va être folklore de la mettre dans le panier et tout ça. Mais bon, il faut le faire. Ça va vite, on est à côté, donc voilà. Bah allez. Bref, je vous laisse, je vais aller finir ce que j'ai à faire avant de partir et on se retrouve tout à l'heure. On doit aller chercher un meuble chaussures aussi aujourd'hui, que j'avais commandé il y a 2 semaines je crois, chez But. Et que bah en fait on pouvait aller chercher la semaine dernière mais j'étais pas là, donc on va essayer d'y aller aujourd'hui. Bon, on a été chercher le meuble là chez But et donc après on va le monter, mais peut-être pas aujourd'hui. Hein. Bon, je vous retrouve, il est 20h08. Alors, j'ai fait une sieste déjà pour commencer. Et après, je me suis mise sur l'ordi. J'ai beaucoup travaillé. C'est pour ça que je vous ai pas repris avec moi. J'ai un peu avancé sur le blog et je vais avancer sur le vlog pour que vous ne l'ayez pas trop tard demain. Donc voilà, je pense vous laisser pour aujourd'hui. Franchement, aujourd'hui ça a été un peu un jour qui n'a servi à rien pour le vlog, dirons-nous. Mais bon, ma vie n'est pas mariage toutes les semaines. Voilà tout. Donc je vais vous laisser. En tout cas, j'espère que cette semaine vous aura plu. Moi, je suis très contente d'avoir pu faire 4 séances. En plus, j'ai eu trop de chance parce que mes règles sont arrivées hier après la piscine vers midi. Donc mardi pour l'aqua combat je serai opérationnelle, donc je suis ravie là, ça tombe parfaitement du coup que demain et lundi la piscine soit fermée. On se retrouve de toute façon la semaine prochaine, demain je vais certainement
faire une tarte aux fraises. J'essaierai de vous la filmer si j'y pense. J'ai acheté des fraises, je vais faire la pâte moi-même, je vais faire la crème pâtissière, enfin je vais tout faire quoi. Parce que Antoine il adore ça, moi j'aime bien ça aussi. Mais voilà, en hiver je lui fais des tartes aux pommes et puis en été je lui fais des tartes aux fraises. Tout à l'heure on a été vite faire des courses, on a acheté... des fruits, des pommes, des kiwis, du melon, des fraises, enfin voilà. Franchement l'été c'est vraiment la meilleure saison en tout point. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais bon, il y en a beaucoup qui aiment l'hiver hein, aussi d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas moi demain je vais ranger aussi mon bureau qui est en bordel. Comme ça je recommencerai la semaine bien, c'est important pour moi. Déjà tout à l'heure j'ai fait tout ce qui était enfin j'ai descendu toutes les poubelles, enfin voilà, je fais plein de trucs et faut qu'on aille aussi chercher le meuble qui est toujours dans la voiture, qu'on le monte et je vous montrerai du coup la semaine prochaine. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite semaine avec moi vous aura plu de nouveau et je vous dis à la semaine prochaine pour deux vidéos. La semaine prochaine, ciao. It's been a day. Stressing out like crazy, just wanna be lazy with my girls.